Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turfaire. Ce mercredi 30 mars, direction l'hippodrome de Salon de Provence où la caravane du GNT va poser ses valises. Deuxième étape du GNT qui sera support de Quinté Plus, ce sera l'épreuve d'ouverture. Moi, je me suis intéressé à la deuxième course du programme. C'est une compétition réservée à des poulains et des pouliches de 4 ans. Ils seront 16 à en découdre sur 2250 mètres. Départ donné à l'aide de l'autostart est prévu aux alentours de 14h25. Dans cette course, j'ai retenu pour vous trois chevaux. Tout d'abord, le numéro 7, Hibisquick. Hibisquick qui reste sur une belle sortie, c'était sur l'hippodrome de Caen. Il terminait deuxième sur un parcours de 2200 mètres, départ donné à l'aide de l'autostart. Des données un peu similaires, hein. Les données techniques sont un petit peu les mêmes ce mercredi sur l'hippodrome de Salon de Provence. Et corde à droite, départ donné à l'aide de l'autostart, un parcours de vitesse. Il sera une nouvelle fois déféré des postérieurs. Il est confié à Alexandre Abrivard. Beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense qu'on fait le déplacement avec de grosses ambitions. Le numéro 3, il s'agit de Hyrénaud des Plaines. Lui aussi fait le déplacement avec des ambitions. Il a terminé quatrième derrière Hibisquick la dernière fois. Donc un cheval à l'aise avec l'aide de l'autostart et corde à droite. Il a un bon numéro, il a le numéro 3. Il sera une nouvelle fois déféré des quatre pieds. Donc lui aussi possède beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts dans son jeu pour faire l'arrivée. Enfin, le troisième cheval, ce sera le numéro 4, Ivaroun. Ivaroun est également en forme. Lui, derrière l'autostart, c'est simple, c'est deux courses, deux victoires. Il est aussi à l'aise corde à gauche que corde à droite. Il est déféré des quatre pieds. Il a un bon numéro derrière la voiture. Donc, beaucoup, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que ces trois chevaux-là sont capables de lutter pour la victoire. Moi, je vous conseille de les jouer en couplet gagnant placé ce mercredi. Cela vous coûtera 6 euros. Donc, le 3, le 4 et le 7 dans la deuxième course en réunion 1 du côté de Salon de Provence. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Un jour, un pari. Bye bye.